la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo! Donc aujourd'hui, ça va être une dinguerie. C'est bientôt la rentrée. Et d'ailleurs, on a décidé de faire une surprise à Myriam. On va aller au magasin lui acheter des habits, des chaussures. Ça, c'est le meilleur moment de la rentrée. C'est mon moment préféré. Je sais pas combien de budget on va lui faire. Donc on a fait des défis. Alors, à 3 défis. Chaque fois qu'elle réussit un défi, elle a 50 euros dans sa cagnotte. Si t'as 1000 euros, on t'achète pour 1000 euros d'habits. Par contre, si t'as que 50 euros, on va à Primark. On prend que les trucs à 2-3 euros. Je vous présente en rapide la roue. Donc on a un bottle flip est égal à 50 euros. Un kill sur Fortnite est égal à 50 euros. Un panier de basket est égal à 50 euros. Un jongle est égal à 50 euros. En vrai, moi, j'aimerais bien qu'elle tombe sur, vas-y, 300 euros max. Attention, qu'est-ce qu'elle va avoir, Myriam? Une bonne réponse est égal à 50 euros. Donc, je vais te poser une question. Si tu réponds bien, t'as 50 euros. Ok. Ah, quel joueur de l'équipe de l'Argentine était capitaine en finale de la Coupe du Monde? Haaland. Quoi? Moi, je vais poser une question. Directement, ça n'a rien à voir sur l'islam. Combien il y a de portes au paradis? Il y en a 8. Wow, 50 euros pour Mimi. Dernière question. Quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. 100 euros. Oh là là, elle est trop forte, check. Donc là, on va au premier magasin et 100 euros pour toi. Premier magasin de la rentrée, vous avez vu, Nike. Du coup, on va à Nike, t'as 100 euros. Okay. Pas un centime de plus, vu que c'est moi qui paye, je vais bien surveiller. C'est parti. Oh, il y a des trucs de ouf. On a trouvé un premier survêt, regardez, ça, ça passe, crème pour la rentrée. Avec le petit pull, on va regarder les prix. Alors pour le pull, on est sur un prix de 32 euros. Et pour le pantalon, 32 euros. En fait, c'est pas ça, ma tête. 60 euros. Ça fait 60 euros. J'ai combien en fait à Nike? T'as là, 100. Là, ça fait 60 euros, il te reste encore 40. Là, il me reste 40 euros et j'aimerais bien prendre celui-là. J'aimerais bien prendre ça, mais le problème, c'est que le haut, il est à 37 euros et le bas à 32. Mais ça fait beaucoup trop cher. Ouais. Moi c'est mort, on a dit 13 40 euros, donc on va voir autre chose. Regardez, j'ai trouvé une masterclass à 40 euros. Regardez la veste. En plus, pourquoi c'est une masterclass? Parce qu'elle peut mettre les pantalons aussi. Vous voyez, pantalon noir, tu prends ça? Ouais. Ça fait 100 euros là. Je passe au défi numéro 2 et là c'est carré. Okay. On passe au deuxième défi. Okay. Vas-y, tu peux commencer à tourner la roue. Pas un truc trop facile, s'il vous plaît, pas un truc trop facile. Un truc facile. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Bottle flip, elle a 3 bottle flip, chaque bottle flip rapporte 50 euros. Oh, ok, c'est parti. Ça compte pas. Hein. Si ça compte. Comment c'est possible? Oui, je t'ai mis. Hey, mais là, je veux bien la compter 50 euros, mais mets-la vers là, s'il te plaît, parce que ton genou il a un peu redressé la bouteille. Du coup, ça fait 50 euros. Ça fait 50 euros. Oh, le deuxième. Younes, wesh, 150 euros. 150 euros, bah vas-y, on va au magasin. Le dernier. On va au magasin, vas-y, bonus. Oh, faut pas abuser quand même. C'est moi qui m'en occupe, on va aller à Intersport. Myriam, elle a besoin de bonnes baskets. On a un budget de 150 euros. Ça devrait être pas mal, c'est parti. Go. Donc, on était petits avec Younes, on se battait pour acheter des stables avec ma mère. On prenait que des trucs comme ça. Là. On n'achetait jamais des baskets pour l'école, on achetait toujours des baskets de fou. Parce que dans la cour de récréation, c'est la Ligue des Champions. Parce que nous, maman, elle avait pas les moyens de nous acheter des crampons. Oh, c'était incroyable. Viens, on monte les crampons que maman elle nous achetait avant quand on était petits. Vas-y. Regardez, je les ai retrouvés, nos premières crampons, on jouait avec ça, frère. Ouais, c'est vrai, les protos. C'était injouable. Tu te rappelles? Vous avez de la chance, vous avez du Nike, vous avez des Air Force. Nous, on a débuté le foot avec des pro-touches. Et du coup, avec Yacine, quand on achetait des affaires d'école, on achetait cela à maman pour jouer au foot avec. Younes, moi, d'après moi, les meilleurs crampons, c'est cela, viens voir. Ok, c'est quoi les meilleurs crampons? On va trouver des Nike, j'en suis sûr. Des Nike blanches? Ouais, c'était sûr. Bon, viens, on va prendre ta paire pour l'école. Ouais. Bon, okay. On commence, Myriam, je te propose les Air Max, elles sont super classe. Ça, les Air Max comme ça, ça passe trop bien avec tous les habits. Les survêtements, les jeans, tu peux les mettre avec. Elle a fait une tête, elle veut pas trop des Air Max, elle. Ah ouais? Toi, t'es plus style quoi, toi? Style genre Puma. Des Puma, elle aime bien Puma. Puma, ils ont quoi en Puma? Oh, il y a les blanches et roses, regarde derrière toi. Les blanches et roses. Celle-là? Celle-là, t'aimes bien? Carré, grave. Vas-y, bon, regarde s'il y a sa taille. Okay, on va vérifier. Ah, c'est du poil, ouais, 36. Celle-là, carré? Vas-y, ouais. Bah, essaye et on voit ce que ça donne. Tu valides ou pas? Franchement, elles sont pas mal, j'aime bien. Normalement, Puma, c'est pour les gros pieds, donc ça devrait t'aller assez facilement. Je dis pas que t'as des gros pieds. Hein. Tu peux voir. En vrai, elles sont incroyables celles-là. Je pense qu'elle peut même prendre 37. Hein. 37? Son doigt de pied, il touche au fond. Mais t'es un malade, 37, oui. Mais t'es fou. Alors, ça dit quoi? J'ai regardé, j'ai juste quand je marche comme ça. Si, elles sont bien. Et au niveau du prix, ça donne quoi? 54 euros. Oh, t'es bien, il te reste encore 100 euros après. En vrai, elle peut prendre un bon survêt. Ouais. Tu veux prendre quoi du coup? Tu prends celle-là? Je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le magasin. Déjà, celle-là, c'est validé? Ouais, celle-là, c'est validax. Okay. Vraiment un bon survêt pour Myriam, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas sa taille. Ah ouais? La taille du 9 ans et ça va que au 10. Genre, ça lui va pas le pull? Bah, le pull, il doit lui aller, mais pas le bas. Fais voir le bas comment ça fait? Ouais, c'est pas normal, pas ça. Regarder. C'est du 10 ans. Bah, elle a pas 10 ans encore.
Ah ouais, c'est vrai. Nous, on était les seuls. On avait 8 ans, on taillait du 16 ans. Kéram, je te conseille, ne fais pas comme nous, pas que des survêts. Un petit jean Levi's, en vrai, que ta paire de Puma, ça pourrait être incroyable. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Par contre, en EPS, je pourrais pas le mettre. Non, tu mets pas en EPS. Il coûte combien? Il coûte, attends, je vais regarder. Levi's, normalement, ça coûte un peu cher. Mais normalement, elle a le budget. Ça coûte 49 euros. Moins 20%. Moins 20%. Mais je suis bien là, j'ai encore beaucoup d'argent. 40 euros, ça veut dire qu'il va te rester 60 balles. Oh, trop bien, j'ai le bas, Levi's. Ouais, j'avoue, là maintenant, on peut prendre le haut. Ça fera ça. Ouais, ça fait ça grave va beau. Faire trop bien avec ses baskets. On ouais. prend ça. Ok, mais là, t'as plus de budget parce que ça, c'est 45 et ça, 49. 150 euros. Eh, ça monte vite les rimes. 150 euros, on a pris 3 trucs. Nike, 100 euros, on a pris 2 ou 3 trucs. Avant, avec 100 euros, on prenait au moins 4 pantalons, non? Ouais. J'ai un défi pour Younes. Jamais tu pourras plier ça en deux. Mais frère, t'es mal mes bras. Des boulettes. Vas-y, essaye. C'est trop facile pour moi, ça. Vas-y, c'est trop facile pour moi. Et là, j'en prends 2 d'un coup. Non, mais tu pourras pas les plier, là, débile. Bah oui, tu peux pas, tu vas le casser. Mais respecte mes bras. Et RRL, c'est ça son défi. Et toi, ton défi, tu dois faire du hula hoop. Ah, je suis trop bien pour la rentrée, les gars. Eh, par contre, ça, tu les mets que pour l'école. Ouais. Si je te vois les mettre en dehors de l'école, je te préviens, je récupère tout. On va passer au défi numéro 3, les gars. C'est parti. Troisième défi pour Myriam, sur quoi elle va tomber? Attention. Attention, attention, attention. Moi, je pense que tu vas tomber sur un palier de basket. Ok, elle tombe sur... Un jongle est égal à 50 euros. Ça va, en vrai, ça va. T'es fort en jongle et tu dis ça, ça va? Oui. Tu vises combien pour ces défis? Combien de jongles? J'en vise 2. 2, c'est-à-dire 100 euros. Et en vrai, si elle y arrive, c'est une dinguerie. 1, 2, 3, encore une. 4, encore. Oh, elle a fait 4, wesh. Oh, la dinguerie. Ça te fait combien? Attends, laisse-la en dire, j'irai dire 4 fois 50. 200. Ah, bah là, quand il s'agit d'argent, c'est bien compté. Hein. Tu boudes. Yassine, je vais sacrifier 10 euros de mon budget pour acheter un truc à manger. Là, c'est le moment de manger, c'est mon laissez-moi tranquille. T'as trop faim? Ouais. Alors là, tu sais, ils ont fait des sandwichs. Peut-être que t'es devenu mon mini moi, tu manges comme moi quand t'as envie de manger dehors des sushis. Tu veux manger quoi alors? C'est bon, on sait pas, mais c'est pas que je vais pas prendre le. Ouais, bah de toute façon, tu vas pas le finir. C'est la big boîte pour les big fans. Même moi, je finis pas tout ça, je crois. Donc, du coup, tu prends quoi? Là, on a ça. Ça, c'est. C'est trop. Moi, je vais prendre ça. Elle va prendre ça. Personnellement, ça, c'est grave. Tu penses que tu vas tout finir? Bah, ouais, logique. Ok, bah 9 euros, t'as plus de budget, ça y est. On nous emmène au prochain magasin. Je m'appelle Myriam. Et je viens tout le monde. Arrête, tu fais pas ça. Laisse-la, wesh. Ouais, t'es une raciste. Mais non, c'est pas une raciste, c'est en mode elle prend l'accent du Japon parce qu'elle mange des sushis. Y'a rien de raciste dans ça. Y'a pas que les japonais. Bah oui, lui il dit n'importe quoi. Vas-y, toi juste conduis, arrête de nous rendre fou, vas-y. Tu sais quoi, mes préférés c'est ceux à l'oignon là. Putain, lui il conduit doucement toi. Imagine, il y a tout qui se renverse. Alors là, je pète un câble. Ceux à l'oignon. Vous connaissez taxi? Ils sont incroyables ceux à l'oignon, les gars. Vous connaissez taxi? Non, arrête vraiment, conduis doucement, arrête de bombarder comme ça. Bombarde pas, je suis seulement en deuxième. Sinon, j'ai à la police, ils te retirent ton permis. Je suis en deuxième. T'as un fou du volant. Regarde. Je suis en deuxième. Là. T'as mangé de la gauche. Tu sais qui a mangé avec toi là? Est-ce que tu sais qui reprend et tu prends de la droite? Ne mangez jamais de la gauche. Non, il y a Satan qui. Mais doucement! C'est pas de ma faute, c'est un dodan. Bon, allez, mange bien, on va continuer après. Non, je vais juste goûter ça. Apparemment, ça a le goût d'une semelle. Une semelle? Je sais pas, le bruit il fait quoi derrière moi, il me colle le camion. Regarde derrière comment il me colle le camion. Vous voyez comment il me colle le camion? Ah oui, je crois qu'il veut ta peau. Parce que lui devant il veut pas avancer, il ralentit toute la circulation. Vient de rentrer Adidas, Myriam elle a flashé. Ouais. Je crois qu'en fait la couleur rose c'est sa couleur préférée. Vas-y, montre le haut que tu veux prendre. En plus, regarde, il y a quoi? Vas-y, ben montre vite fait, moi je vois pas d'ici. Je sais juste si je valide ou pas. En vrai, il est simple pour le PS. T'as les claquettes qui vont avec. Non, pas les claquettes, wesh. Regarde. Moi je valide pour le PS. On rajoute ce bas, les gars, pour 30 euros. 30 euros. Mais en vrai, ça nous fait 50 euros. Ça fait 50 euros, en vrai, ça va. Tu prends ça, c'est bon? Ouais. Là, cette veste, elle est à 30 euros. Vous savez que quand j'étais petit, excuse-moi de te couper, je mettais que des vestes comme ça. Moi, je m'en rappelle, avec des TN. Et j'étais bien. Regardez, les petits signes Adidas de toutes les couleurs. Elle a trouvé une veste super, super. Oh, la masterclass. Elle, après, on n'achète plus de veste, ça y est. Hein. Ouais, après, elle a ce qu'il faut en veste. Vas-y, elle est à combien, celle-là, du coup? Elle est à 30 euros, non? 25 euros. Hey, wesh, c'est pas cher. En fait, elle était à 50 euros, il y a moins 50%. Myriam, elle est stupéfait. Ça va, beau gosse? On est en train de lui acheter des affaires. Tu me connais, moi aussi, je te connais. Machallah. C'est pour ça que tu regardais là-bas. Vas-y, y'a pas ma taille. En vrai, tant mieux, on a pris trop de vestes là quand même. Il y a toutes les tailles, les rails, sauf sa taille. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on va sortir du magasin vu qu'il n'y a pas grand chose.
à part ça. On va voir ça fait combien, on va voir il lui reste combien et on va changer de magasin, ok? Ouais. Eh vraiment, si tout le monde pouvait rester en vacances, Yacine, et ça pouvait rester désert, regardez comment il n'y a personne. C'est toi, trop... t'aimes bien la tranquillité. Moi j'aime bien quand c'est calme, Yacine, je kiffe. Ah, okay. D'habitude quand on vient ici, c'est le boxon. Ah d'accord. Chose inédite pour une fois dans sa vie, je vais la laisser. À chaque fois elle me prend la tête, achète-moi des rollers. Si tu sais en faire, on va voir. Regarde, doucement. Bonne chance, moi je vais te lâcher. Hein. Non. Doucement. Penche-toi en avant. Allez. Penche-toi en avant. Elle va se tuer, les amis. Aide-moi. Allez, vas-y. Ah, c'est bon, hey, j'achèterai jamais de roller à Myria. C'est moi, s'il n'y a pas mon gros bras, elle tombe. Vas-y, lâche mon bras. Si tu tombes, tu mets tes mains. Vas-y, fais un pied devant l'autre. Ouais, catastrophe. Voilà, catastrophe. Pas. Écoute-moi bien, Myriam. Jamais de ta vie, je t'achèterai ça, ok? C'est mort, tu sais pas en faire. One. Allez, Myriam, attaque. Fais que d'attaquer, en vrai. Oh là là, c'est violent. Ah, zéro. C'est bon, Myriam, elle a gagné. C'est bon, là. Oui. C'est bon, Myriam. On arrête les conneries, les gars. J'ai trouvé un survêtement incroyable. Encore un survêtement, les mecs. Le Puma. Le bas avec. Oh, celui-là, il est à 50 euros, mais il est super beau. Je pense que ouais, on va prendre ça. Après, il y a les Domios. Regardez, ça, c'est là. Parce que le bas, c'est un legging. Tu veux pas prendre les marques Decathlon? C'est bien aussi, des fois, Decathlon. C'est vrai. En plus, c'est moins cher. Tu peux en prendre deux. Regarde, 25 euros, t'en prends deux. En vrai, après, on sera bon. On sera bon pour ses fournitures scolaires. Après, là, ça, c'est plus pour l'hiver, les gars. C'est quoi? C'est des leggings? Ouais. Ah, c'est trop serré. Et nous, on aime pas qu'ils mettent des trucs trop serrés. Il faut préserver ça. Ah, voilà. Ceux-là, ils sont impeccables aussi. Ah ben voilà, en plus 20 euros. Chaud et confortable. Ah, il y a en blanc. Oh, lui, il est incroyable. Choisis, Mimi, choisis. Hein. Lui, il est impeccable, lui. Ça, c'est pas pour garçon. C'est vrai. Quoi, c'est ce que je pense aussi, ça fait pour garçon. Ok. Ouais, Yacine. Moi, je fais du basket, les frères. Mais on est venu là pour jouer ou pour trouver des amis? Vas-y, à tout à l'heure. Je suis bloqué. Là, il lui reste 130 balles. Si tu la mets, il lui reste plus rien. Attends, est-ce que tu veux, Myriam, faire le... Mais d'abord, je commence. Ok, vas-y, elle a dit, elle commence. D'accord. J'espère qu'elle perd. Super. Allez, Yacine. S'il te plaît, Yacine. S'il te plaît, Yacine. S'il te plaît. Là, c'est bon, là. Rate pas. Flop pas. Ils ne sont pas achetés en pas de basket du coup. Non, c'est pas pour l'école. Bien, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Viens, on va se diriger à la sortie du magasin. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire au lieu de gaspiller et d'acheter des trucs qu'elle va pas forcément mettre. Je te propose, Myriam. Ouais. On va à la maison, on commande sur internet les 130 euros qui te restent. Okay. Chose promis, chose due. On vient de recevoir les affaires de Myriam pour la rentrée. Donc on va les découvrir ensemble. On commence directement avec un pantalon. Attendez, tac, le pantalon bleu comme ça. Incroyablement beau celui-là. Et regarde les baskets. On a le gilet qui est vert comme ça, classique. Puis on a le pantalon. En fait, c'est un truc simple, tout vert. Franchement, je le trouve super beau. Ah, c'est un cargo stylé. Waouh, grave stylé. Parce qu'on l'avait pris trop de baskets. Du coup, là elle est bien. Là. Comme ça. Là, t'es gâté, là. Une botte à papillon. N'hésitez pas à mettre un like, c'est très important. Et mettez-vous qu'est-ce que vous avez dans les commentaires comme nouvelles affaires pour la rentrée. Nous, on vous laisse là. Ciao.